Salut à toi, petit malin, petite coquine. Non, je rigole. Salut à tous, c'est JFM972. Donc, on se retrouve sur un commentary. Mon first commentary, pour dire. Donc, je suis sur en élimination confirmée sur la map village avec la M60. Une arme assez lourde, assez difficile à contrôler. Donc je joue avec un silencieux pour ne pas me faire repérer. Les atouts sont passe-passe, tracker et détermination. En plus, je suis un spécialiste, donc spécialiste assassin, pillard et visée solide. Donc nous voilà avec la M60. Norme, comme je l'ai dit tout à l'heure. Une arme très lourde, donc qui limite les mouvements, mais qui a une assez grande puissance de feu, donc à savoir utiliser à bon escient. Donc là, on débloque quoi. Là, on est un assassin. Voilà. Donc, je recharge là, donc avec la tour passe-passe. Donc là, je débloque spécialiste. J'avance toujours, je reste à distance. J'ai 1, 2. Vous voyez, la mitrailleuse, la M60, elle est quand même assez puissante malgré le silencieux. Ça n'affecte pas du tout le caractère de l'arme. Reste toujours assez efficace contre les ennemis. C'est ça le gros avantage de la M60 en fait. La puissance brute. Donc on fait quand même très attention. Ah là, il y a un sniper. Je vais me prendre une balle. Recharge avec passe-passe. Donc vous voyez en fait moi je fais mes moi mais je prends bien mon temps, donc je suis assez prudent. Donc surtout avec des armes aussi lourdes que que celle-là, il faut plutôt être assez prudent, faut pas trop se presser. Donc sinon, à part ça, donc, petite présentation. Jean-François, j'ai 20 ans. Je viens de Martinique, donc 972. Représente ici. Donc, je viens de Basse-Pointe, petite commune du nord de la Martinique. Donc là, je suis en France actuellement, à Champigny-sur-Marne. Et donc voilà. Voilà. Sinon, à part ça, bon, je fais partie de la team MGS, une team assez respectable, donc très drôle, avec des potes que je connaissais déjà depuis MW2. Donc, ils me connaissaient déjà assez, donc mon recrutement était assez facile, donc. Puisque j'étais déjà habitué à jouer avec eux depuis longtemps, disons. Et voilà. Donc, j'ai commencé à jouer. Comme je l'ai dit, j'ai commencé à jouer depuis MW2. Donc il y a Black Ops que je n'ai pas trop aimé parce que par rapport au gameplay, ça m'a pas trop plu. Je me situais pas trop dans. Bref. J'aimais pas trop quoi. En gros, j'aimais pas. Donc j'ai joué quand même. J'ai joué un peu quand même à Black Ops, mais j'ai pas trop kiffé pour dire que je jouais tout le temps avec. Donc parfois juste pour rencontrer les gars quoi. Donc voilà. Sinon j'ai joué MW2 à fond. Aïe aïe aïe. Avec les gars, je tiens à savoir. Lâcher des bombes nuques et tout. Franchement c'était sympa. Ça c'était le bon temps MW2. Franchement c'est un jeu que tout le monde se souviendra. Même ceux de Black Ops, ils se souviendront de MW2. Ah oui. Donc, toujours à la M60. Toujours en train de chercher les ennemis. Donc, voilà. Attention, explosion. On avance, on avance, on avance. Ah, il est déjà mort, lui. Donc là, je suis avec deux membres de la team MGS, Mastacel B. Lewis,
et un invité dont j'ai oublié le nom. Ouais, Badix. Badix. Il s'appelle Badix. Donc voilà. Enchaîne les ennemis. Là, je dois être à 19 kills ou 20 kills. Je sais plus. Mais c'est en mode tentative MOAB. Avec cette grosse arme bien lourde. Attention. Ah, je moque de me faire tuer. J'ai de la chance. Heureusement qu'il n'avait pas de dégâts parce que là, je vais morfler. Putain. Oh, c'est pas le bon. On enchaîne. Il meurt pas. Il meurt pas, il meurt pas. Il va s'abriter. J'ai réussi à le tuer. Bon, on recharge. Attention. Donc voilà. MW3. En fait, c'est au début, franchement, je l'aimais pas du tout parce que c'était un jeu par rapport à MW2. Donc là, je vais débloquer ma MOAB. Donc je l'envoie. Voilà. MOAB OM60. Une arme qu'on ne voit pas souvent quand même faire des MOAB parce que la plupart des jeux utilisent des fusils d'assaut. Donc. Ou même la PP90M1. Donc j'ai décidé de faire une MOAB avec la M60. Mitrailleuse assez lourde. Donc voilà. Sinon, de quoi je parlais? Ah oui, je parlais donc de MW3. Au début, je l'aimais pas trop. Donc, parce que. Bon, disons que. Par rapport à MW2, il y a eu beaucoup de déceptions. Beaucoup de trucs qu'on aimait dans MW2 et qu'on n'a pas retrouvé dans MW3. Ça faisait chier à beaucoup de gens. Surtout gros rusher comme moi. Et donc voilà. Bref. Voilà, c'est la fin de ce gameplay. J'espère que vous avez aimé ma première vidéo commentaire. Donc je vous souhaite un excellent week-end. À bientôt!